Hello les petits gus, on est retour dans 10 nuances de gens. On a donc notre héritière Vanille qui va avoir un gosse. Aussi je voulais vous rappeler qu'il y a la deuxième partie de mon challenge qui est maintenant disponible. Mon simisève va être disponible sur la galerie. Vous pouvez le reclouquer jusqu'au 6 mars. Et bien entendu, on n'oublie pas de le reposter avec le hashtag je relook simiche. Toi t'es crevé, toi aussi et toi tu pues. Eh ben ça commence bien. Oh mais elle crève bientôt celle-ci aussi. Ah oui, c'est vrai, on voulait être un loup-garou, ben cool. Y'a un loup. On va connaître toute la meute, vous allez voir. Bye bye. Mais t'as ramené ta sœur? Non, ta tante. C'est qui, pomme pour toi? Oh, c'est ta tante. Elle est venue pour sa vengeance. Mais en plus, elle est adulte. Qu'est-ce qu'elle fait à l'école? Wow. Oh, le dernier repas en famille, car la grand-mère va crever ce soir. Oh, c'est 18h. Quand tu vas te réveiller, tu vas être en face à face avec la mort. Attention. Non, vous avez un jour de plus? Ah bah voilà, il est un peu en retard, 2 heures quoi. Bon ben, tchou la vieille, merci pour tout le pognon que tu nous as ramené. What? On a hérité de la boutique des Ramirez, du Club DNT et d'Electronic Supercenter. D'où elle avait ça? Et une de plus. Elle va aller en école privée, on pourra le tester. Pourquoi il n'y a plus de loups qui viennent? Oh, pourquoi il faut autant de points de... cuisine pour être dans la carrière journaliste. Genre elle travaille pour Betty Bossy ou bien ça se passe comment? Oh, vite! Alors là, c'est la vitesse de l'éclair à laquelle elle bouge. En plus, ça vaut même pas tant de points que ça de devenir un loup-garou. C'est bon, tu nous aimes bien là. Tu peux nous mordre. Ils abusent de notre bonté. Allez, prends soupe et vous allez aller au parc. Oh, Cathy. How could this happen? Elle nous a ignorés, là, quand même. On prend la grosse tête, Cathy? C'est parce que vous avez eu un épisode spécial? Bon, c'était inutile, on va revenir chez nous. Hello! La mère, elle est sortie du jardin, là, elle m'a fait peur. Petit loup, ce soir? Mais j'ai de nouveau ma voiture qui a disparu? Soupe! Non! Bon, ouais, une de plus, hein. Je disais, est-ce que c'est parce qu'ils reviennent du boulot quand je suis pas là, ce qui fait que la voiture disparaît? Bon, bah, on va en remettre une, hein. Alors là, on est arrivé au summum de la voiture tuning. Et promotion, et nouveau collègue. Mais il est toujours en vie, lui? Ouais, c'était le daron de son grand-père. Il est toujours en vie. Ils ont un signe de famille. Non, on pourrait le repêcher, hein. Vous vous souvenez quand on avait un perroquet? C'était cool, hein. Toi, tu vas directement tester Crêpes Suzette pour le dire l'eau. On espère qu'elle va pas se foutre le feu. Oh, non, elle a réussi. On va lui donner un tour. Ok, on a assez du tour. Donc, appel pour dîner. On a passé ! Mais comme une lettre à la poste. Je crois que c'était le dirlo le plus simple que j'ai jamais eu de ma vie. Oh, ces fantômes nous font lag. C'est bon. Ah bah elle veut devenir criminelle, bah écoute. Oh, elle veut un chiot. Ah bah non. Il y a pensé pète à l'annonce, c'est une idée de merde, c'est une idée de merde. Ils vont bien ces Sims, ils sont pas en dépression. C'est étonnant pour des Sims que je possède. Ah, oh, dans 2 jours, ok, son anniversaire, donc ça veut dire que toi, dans 3 jours... Oh purée, elle va rater son anniv. Bam, organise un anniversaire. Et toi, tu iras souffler tes bougies. Oh, j'ai même pas réfléchi à qui on va aller pécho. Oh, comment je vais? Oh, caca, moi! Oh! Oh! Moi, je t'en vône. Mais t'es en dépression, pourquoi t'es en dépression? Ah là, va chez le thérapeute. Cheveux gris qui puent. T'as pas un cheveu gris? Sullivan. Cheveux gris qui puent, hein? Allez, appelle-le. Proche de la mort, il se restera pas dans nos pattes bien longtemps. Et toi, t'irais le saluer. Oh, il est parti. On va s'occuper de la dette un petit peu. Ha 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 ha!
Non! Ce n'est pas grave, demain tu seras engrossée. J'ai vite fait changer la grand-mère, là, j'ai mis des habits un peu plus portables. Et toi, j'aimerais bien aussi qu'on te modifie, hein. Et voilà le petit relooking de la petite Vanille, t'inviteras ton Gus. Essaye de faire un gosse. Ça n'a point marché, on y retourne. Ah, j'en ai marre de ces loups, ils ne me donnent pas ce que je veux. Va manger, mais t'es folle, t'es enceinte. Alors maintenant, il y a plein de loups, tout d'un coup, qui viennent durant la journée. De toute façon, elle a le travail. Oh, c'est le moment du bébé. Oh, oh, stop. Encore une fille ! Noisette. Toujours le strict minimum hein, pour ces gosses. J'ai perdu la foi. Il me semblait que c'était plus simple que ça que de devenir un loup-garou, mais apparemment pas. Oh oh. What ? Oh bah il est crevé. Il aurait même pas rencontré sa fille. Bah tu veux l'appeler ? Ben ça va être un peu difficile hein ma grande. Oh demain c'est l'anniversaire de la petite. Putain c'était flippant. Elle organisera la fête pour sa fille, je pense. Un petit gâteau. C'est la fête. Merci. Wow. Oh ma pauvre navette. Il n'y a pas de bajou. Il n'y a pas de bajou. Est-ce possible? Ah, dans deux jours, c'est déjà l'anniversaire de l'autre. Ben, demain, on fera un anniversaire. Toi, tu peux t'occuper de cette gamine-là et lui apprendre à marcher. Ils vont regarder ce que je leur dis. Bon, on va faire son anniversaire. Ma foi, elle aura appris qu'à parler, mais elle me fait chier, ce gosse. Hello! Qu'est-ce que Pomme Bomber fait là? Non, mais casse-toi! T'as fini l'université, mais ce n'est pas mon problème. Puis tu iras trouver une maison, hein, oh. Bon vent. Bye bye! Non mais là il y a même plus aucun trait de gens. Mais pardon. Oh, on est niveau 10. Encore une tombe platine. Ouais, il y a donc criminel on va prendre. Donc ça c'est cool. Wow. Oh, elle fait une cage à oiseaux. La boucle est bouclée. Peut-être qu'elle a pas la gueule de genre, mais elle aime autant les perroquets que lui. Mais elle meurt demain. Mais ils meurent de plus en plus vite, non, ces gens. Au revoir, Mirabelle. Ah oui, c'est vrai, maintenant on va récupérer les commerces. Il te reste 5 jours, ok. Va un chiot, hein. Je vais lui le bloquer. Et je pense que toi, tu vas pouvoir adopter un chien. Oui, on va adopter Crouton. Crouton. On va quand même le foutre à bouffer à ce pauvre Crouton. Pomme Bomber a rejoint la carrière politique. Ah bon d'accord, ça me fait un peu peur qu'un Bomber dans la politique, mais bon, que voulez-vous? Non, par contre, tu veux un autre show là, tu cherches. Ça ne va pas se passer comme ça. Non, franchement, flemme. J'ai dû déjà restart mon jeu. Je sais pas combien de fois aujourd'hui, j'en ai marre. Demain, je vous jure, à 18h pile, on l'a fait grandir, celle-ci. Oh, elle a pété au boulot, celle-ci? Ah bah, dis donc. 18h, c'est l'heure de grandir. Mystère jusqu'au bout. Il n'y a plus de trait de bombeur. Ce sera aspiration à la richesse. Bah, ça change pour une fois. On va te faire un petit relooking. Ouais, vraiment plus rien. Hein. Mais vraiment d'un coup. Hein. Tout s'est cassé d'un coup. Et voici notre toute nouvelle noisette. Écoutez,
Sinon, n'oubliez pas de participer à la deuxième partie du challenge sans vous abonner qui est de relooker mon SimSelf. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos et la vidéo explicative aussi. Sinon, je vous souhaite un bon dimanche. Il n'y aura pas de live lundi normalement, mais un live à la place mardi car je suis en déplacement lundi tout simplement. Et sinon, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.